تريد تولي انت كيو 5 تيكي تان واحد نزور عيون بقبيلي عيون بقبيلي تي دير دي فرنسا ما شاء سي تموث القبايل الاخضريه انا باليسترو لي غورج دو باليسترو يعني توسن داك نظام صدرون يسوغا نظام صدرون يسوغا ان رياليزاتور دو فيلم يتوسن لادغا اساغو انسان كارو يخدم افوم غراس فرحان العربي بن مهدي وين تقفوا مسلاي في الله سارتو مازال تمثلتي زرفان وتكفي راه اكت نغلف نيذل سنت موثن الجزائر اشكور وتجينا اكيد تفغان اي وشور دان شكي كوانزا اكذ بشير الدريس موين ازول فلك بشير ازول رشيد ازول في الاول ازول في الاخر كنت اي ميرسي ثان ميرف بور سيت انفيتاسيون سا 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 في بليزير نروح بشير سلقيت فغاك بنشدار لا دغار يتوقف مسلايا طاسا طاسا غافوسيرون ينقيرو اي طاسي في تراجون ماشي مالوغوزمون كي نقام فرانسي سود دي فيغان في العربي بن مهدي نتراجو الشوق لاني غبلان دي غبلان غا تسامضي واش ولا لاني غبلان وامشي كيا اذ زمان اتفهمو تمسالت وانكين زمان غنوالي اسيا غير الزاد ماشا وقبل نبذو قبل نبذو او يفون عدني الدنوات بشير الدريس كي كاين فين سنا فلاك ضم صدرو يتقدر يحمل نتص الغاشير تبعك نتص بسطان تمتير في فيسبوك تبعتي تكتي وين هناك ويفون ضحكوا ذاك كاين دنوات بشير الدريس ذا شو يخدم ارثورا قلنا كاين لي سورا نا لي فيلم نا السينما تاعك اثنهم سلاي روي كيني جي ناك جي جي 50 جي ان بو جي 50 اون كيلك موا Je vais faire ma carrière en Algérie en tant qu'assistant réalisateur. En tant qu'assistant réalisateur, j'ai travaillé beaucoup avec les réalisateurs algériens, Marzak Alouesh. J'étais assistant réalisateur sur le film Amachiaou de Belkacem Hajjaj à l'époque, il y a presque 30 ans. Et après, au CIRD de France, j'ai fait des études de production et de réalisation. Et puis, avec beaucoup de chaînes étrangères, avec France Télévisions, avec Canal+, avec des pour Ramsis. Et on a produit des films. On a produit une dizaine de longs métrages cinéma. On a fait des films qui sont connus, d'autres moins connus. On a fait l'autre monde avec Merzak Alouesh. On a fait Là-bas mon pays avec Alexandre Arcadi. On a fait Le Soleil assassiné, un film sur Jean Sénac, un poète assassiné. Et puis j'ai réalisé un moyen métrage qui s'appelle 10 millions de centimes. Et j'ai réalisé à Saroui, Ben Mehdi, le pouvoir algérien, il l'a bloqué parce que c'est un film, en association avec l'État algérien, avec le ministère de la Culture et le ministère des Moudjahidines. Mais dans le film, ils ont décidé de le censurer, de le bloquer. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de mener une bataille juridique. Pour libérer ce film. C'est un film qui sort un peu de l'histoire officielle. C'est la première fois depuis l'indépendance où on tourne un film sur l'histoire de la Révolution, loin de l'histoire officielle, loin des tabous, loin de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Donc, c'est un film très progressiste qui consacre un chapitre très, très important au Congrès de la Soumam. Qui évoque les conflits de leadership entre les différents chefs historiques de la Révolution, les problèmes idéologiques de l'époque, l'arabisation, le problème de la religion. Donc c'est un film qui évoque un peu tout ça. On peut dire que c'est un film qui parle des intellectuels de la Révolution. C'est pas un film qui parle des maquis. Il y a pas d'embuscade, il y a pas d'armes. C'est un film philosophique. Politique sur les élites de la Révolution, ce qui n'a pas plu au pouvoir. Le pouvoir algérien s'attendait à voir un film western, quoi, comme ce qu'on a l'habitude de voir depuis 50 ans, les batailles, les embuscades, un peu de propagande. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, donc ça les a choqués, ils ont décidé de le bloquer. C'est ça le mérite de Bachir Driyes, c'est pour ça que Bachir حملك طاس طاس تبعك طاس تولي لي كومونتير في لك الهنت مليح مليح خاطر كي الدنيا تروحو السغيد بغير لي طابو كي الدنيا ماشي لي فيلم ني كي ساكنين كي حاجه امن غير يشبان بور نو با سيتي لو نون دو رياليزاتور
بن بولعيد كريم بالقاسم لطفي وكان يكون ولات ايفيكتيمون تيرنا سي كان كوني كان ملا بات ملا بات دالجي بيوم الباتون حتى انا من نور كان تدير il faut pas effectivement qu'il te donne il faut pas y aller au-delà de ça parce que si tu rentres dans l'idéologie qui dans le la vraie histoire des choses là bien sûr ça baisse mais maintenant à Belgique est-ce que c'est nous enfermé comment tu as pu quand même يعني الministère des Mujahideen الministère de la culture سنن دن وثيد بشير دريس enfermé que jeune au début تخمر الفيلم كيف تخمر الفيلم كيف كانك دان بودجي à la fin on rend de زرا دائما كيشوف اخذ ماركين نكج رولا غير تونس جي تورني الفيلم ستوديو رولا غاسن غير تونس دونك pour éviter le contrôle pour éviter la gendarmerie pour éviter رولا غاسن غير تونس donc j'ai fait la majeure beaucoup de scènes en Tunisie dans un studio. on a reconstitué donc on a tourné dans le plus grand studio de cinéma où se font les grands films américains. C'est un studio de Tarak Ben Ammar où il y a beaucoup de films américains qui ont été tournés là-bas. Même Rachid Bouchareb, le film Hors la loi, il a été tourné là-bas. D'accord. Donc si j'avais tourné en Algérie 100%, ils m'auraient arrêté au milieu du tournage. Ah, d'accord. Ok. C'est vrai. J'ai fait la majorité de films en Tunisie, dans un studio. Et donc, eux, ils ont découvert le film à la dernière minute. Personne ne savait ce que je tournais. D'accord. Mais, Abachir, le mouage du système algérien, qui est le home, rassemblement, qui est le home, au début, certainement, ils t'ont demandé le scénario, ce qui est un scénario. C'est ça. Mais, ceux qui lisent la commission de lecture, la commission de lecture, c'est une chose, et les censeurs, c'est une autre. Donc, la commission de lecture qui a accepté le scénario, c'était présidé par Bidjawi et Moussa Haddad. Donc, ils ont accepté le scénario. D'accord. Mais après, pour la sortie du film, c'est pas la commission qui décide, c'est les politiques. Les politiques, c'est le système, c'est la présidence, c'est les censeurs, c'est le parti, c'est les islamo-conservateurs. Donc, c'est autre chose. Donc ce film-là, comme ils me connaissent, ils connaissent mes idées, tout le monde voulait voir ce film. Même Gaët Salah, il a vu ce film. Même Gaët Salah, ils ont demandé à voir le film. Il a demandé. Et je leur ai donné le film. Mais paradoxalement le cabinet de Gaët Salah, ils l'ont vu, ils ont visionné, ils n'ont pas demandé à bloquer le film. Contrairement, mais les Mujahideen et la culture qui ont bloqué le film. D'accord, ça c'est nouveau. Ah oui, c'est... Oh. Et, j'ai été contacté par l'armée pour leur donner le DVD, j'ai été les voir, j'ai déposé un DVD, donc ils l'ont vu, ils m'ont contacté, donc tout le cabinet de Gaët Salah, ils m'ont dit que non, on a beaucoup aimé, donc nous on trouve pas on trouve rien de choquant, il peut passer comme ça. Donc ils m'ont même félicité, mais le ministère des Moudjahidines et le ministère de la Culture, ils ont bloqué. Le ministère de la Culture à l'époque, c'était Azine Mehoubi, non? C'est Mehoubi, hein. Et c'est lui qui a bloqué, hein, parce que lui, il est connu pour ses orientations idéologiques. Donc, depuis qu'il a fait Fadma Nsoumer, etc., on sait c'est quoi ses tendances, pour ne pas dire l'arabo-baptisme. Je pense que le film il a été bloqué au plus haut niveau, c'est plus haut que Mehoubi. C'est le clan de Bouteflika qui a bloqué le film. C'est un film, donc ils m'ont reproché d'avoir un peu pris position pour le congrès de la Souma, mais pour Abban Ramadan, contre le courant de Bembella. Mmh, d'accord. Et comme la présidence, à l'époque, ils étaient tous, ils faisaient tous partie du clan de Oujda. D'accord. Et donc, ils ont vu que le film n'allait pas dans le sens du clan de Oujda, n'allait pas dans le sens du coup d'État de 62, n'allait pas dans le sens de l'arabisation, n'allait pas dans le sens de Nasser, du panarabisme. Donc, ils ont pris une décision collégiale. Le système, de manière générale, ils ont décidé de bloquer le film. Donc, ils ont actionné Azine Mehoubi et le ministre des Moudjahidines aussi, c'est ça? Azine Mehoubi, c'est un exécutant. D'accord, exécutant, ok. Voilà. Donc, ça montre quand même ce qui se passe un peu sur le plan politique
dans la haute sphère, les guerres, les clans, l'armée. Donc, comment ça se fait que l'armée, avec Gaël Salah, a accepté le film et la présidence n'a pas accepté? Donc, ça donne à peu près une image, une idée sur la guerre des clans qui se trame dans la haute sphère. Non, c'est politique. C'est-à-dire, c'est politique. C'est une censure politique. C'est à l'époque, en 2018-2017, tout l'entourage de Bouteflika, c'était des pro-bembellistes, des gens de l'Ouest, de la 5e, donc la Wilaya 5, de le clan d'Oujda. Ils étaient puissants. Ils ne voulaient pas laisser passer un film qui met en avant Abban au détriment de Ben Bella. C'est aussi simple que ça. C'est plus ça. Très bien, j'ai compris. Donc, Bachir Mslein, qui est quelqu'un en don de l'antenne, qui est plusieurs fois, nous voulons que nous soyons à Montréal, ou c'est une unité de TQ5, avec des TQ5, machin, nous sommes américains aussi, nous sommes des paris. Est-ce que tu as l'espoir, c'est un sérum, et nous sommes des enfants? Oui. On a mis en place une procédure juridique parce qu'on est obligé de respecter les lois. Ouais. Donc nous avons mis en place une procédure judiciaire, une procédure juridique. Dès que les choses sont réglées, je viendrai le présenter au Canada, aux États-Unis, à Londres. Il y a plusieurs capitales donc, qui ont programmé le film. Ouais. Mais on attend quand même d'être sûr de ne pas être bloqué par les avocats des ambassades d'Algérie dans ces pays-là. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Voilà. Eh bien, je suis sûr que nous connaissons un TQ5 dans le Havre, nous allons ensemble, nous commenter dans le studio. Donc, on va voir tout ça.